Eh bien, konnichiwa tout le monde, c'est Divilink22 et on se retrouve pour l'épisode je sais plus combien de Pokémon Emerald. J'espère que vous allez bien car moi ça va plutôt nickel, même si je suis un peu enrhumé, donc s'il y a des moments où je me mouche ou je bégaye, je suis malade, voilà. Donc comprenez-vous ça. Donc la dernière fois ça remonte il y a fort longtemps, après la reprise de la chaîne et tout ça. Peut-être vu les vidéos de 22 abonnés, tout ça, j'ai pas encore vos retours. Pendant que je tourne ça, bah en fait c'est uploadé, ça vient tout juste d'être uploadé. Donc je vais pouvoir tourner. Donc la dernière fois on s'était laissé avec notre petite équipe qui est donc Eleden niveau 26 avec Pipi Cruel, Eldacier Vive Attaque, Delcati avec Charge Fin, Troulade Berceuse et les Sprint avec Étincelle, Onde de Choc, Vive Attaque et Flash, Chamallow avec Flamèche, Ampleur, Bélier, Éclat Rock, Masco avec Volville, Lame Feuille, Poursuite, Coupe et puis voilà, c'est tout. Notre bonne petite équipe, hein, pas mal. On a nos 3 badges, oui voilà, on a 3 badges. Là on partait pour la 4ème badge et la dernière fois on avait battu la team Magma contre Max qui avait des Pokémon forts quoi, enfin des Pokémon en rapport avec la lave. Bref, bien sans plus tarder, je vais juste vous poser une question avant de commencer, après on va pouvoir commencer le jeu, oui. Oui, en fait sur la vidéo, je pense que je le dire sur chaque vidéo. Sur la vidéo de reprise de la chaîne le point divine que je vous invite vraiment à voir, il y a un dimanche où je vous dis que soit je mets rien, soit je mettais des animés. Le problème c'est que je regardais un truc et c'est pas légal de faire les animés, donc c'est dommage, donc je pourrais pas upload des animés. Donc si vous avez un moyen ou un truc à faire que je pourrais faire en manga, bien évidemment, ce dimanche là je suis pour, parce que il y a que des Nightcore que je peux faire en attendant, donc voilà, voilà quoi. Bref, et puis voilà, on est parti. Ah oui, et aussi, comme j'ai dit dans le point divine, je vais accélérer un peu les choses, donc on va se servir d'accélérateur là. Vous voyez les particules tomber très vite. Ce sera plus pratique pour moi et ça nous permettra d'avancer un peu plus vite dans le let's play qui prend quand même énormément mon temps. Bref, allez c'est parti. On va descendre de cette montagne en lave. Un peu là, c'est par là, voilà, si on se souvient. Donc, un peu là. Et on va redescendre. Pas tout en bas, non. On va aller là, voilà. On va ici. Et on va faire le sentier Cinerock en faisant les dresseurs sur le chemin. Donc, pas de Pokémon particulier capturé ici. Oh, je lis pas ce qu'ils disent comme conneries. Hein. Donc, comme j'ai dit, j'accélère les combats. Oula. Eldacier. Voilà. Ni parfait, niveau 29. Oui, on échange. On va mettre des éclatilles. Volbuto, il est petit seul. Seul 6, c'est vrai. Voilà. J'ai révisé ma table des types. Avant de commencer l'épisode. Voilà, 76-76. Quelle est la meilleure attaque? Attaque 63. 49. Bon, il est meilleur. Très bien. Hop là. Bien. Donc techniquement on aurait peut-être pas des... Peut-être il y aura peut-être une évolution. Ouais, je suis pas sûr. Mais si c'est pas le cas, je pense entraîner les Pokémon après le champion. Hop là. Ah tiens, regardez, qui est là? Quoi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais dans un endroit pareil? Ça te regarde. Sur le combat contre la team Magma, donc qu'on va exploser bien évidemment assez rapidement. Ah zut, bon, bah, l'étape des types elle est pas là. bon, on va faire charge, hein. Il y a toujours charge quoi, il faudrait vraiment qu'on vienne prendre un truc. Niveau 29, parfait. Delcati, Chamallow va être envoyé, on échange avec ouais, avec Elixprint, même si je sais qu'il n'y a pas du tout l'avantage, mais bon c'est pour l'entraîner, alors merde, voilà la rapidité. Ampleur 7, adieu. Ah non, bien joué. On va faire des vives attaques. On va le tuer avant. Voilà. C'est parfait. Donc qu'est-ce que tu as dit? Ok, je dois l'avouer. Tu sais te battre. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu peux aller où tu veux. Donc retenez bien l'emplacement de ce mec. Parce que on ira le voir bien plus tard dans le let's play. Donc, bah, c'est délicat de monter de niveau. Voilà, on monte vite de niveau. Donc c'est pour ça que je dis que
Y a peut-être une chance que Masco ou Chamallow évoluent, mais je sais plus dans quel niveau ils évoluent. Bref. Voilà. Y a rien en haut, non. On va prendre la Pokéboule là. Une anti-brûlure, c'est très bien ça. Hop là. On va sur le dresseur. Arrête de parler, et puis combat-moi, donne-moi ton expérience. On va faire étincelle. C'est voilà, comme ça il est paralysé. Et voilà, on le finit vite fait. Misterbe. Il attaque. Poudre toxique, bien évidemment. C'est fait. Tilton. Bon, lui, alors, onde de choc, direct. Allez, au revoir. Ouais, ça, ok, donc elle va voir notre numéro, tu le savais, gars, le plus. Leur vélo pour passer, ouais. Ah, mais arrête de me parler. Je veux, on va mettre un petit. Dis-moi, j'ai des antidotes là. Sur Elec. Et on va lui donner une petite potion du journée. Ouais, on met une deuxième. Voilà. Allez, le combat double. Ah, comme j'ai dit, hein, je vais assez abuser parce que j'aimerais bien qu'on avance. Qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie? On va faire un étincelle sur ça et puis. Non. Avant toute chose, toujours détruire le Magneton. On va faire un vieux attaque sur Balignon avec X-Print et une flamèche sur Magneti. Ouais, pour ça, Magneti, hors de danger. En pigre, bien évidemment. Étincelle et Pampleur, mais Flamèche, c'est très bien Flamèche. Voilà, c'est fait. Ah, je suis content de vous retrouver sur du Pokémon Emerald, ça m'avait manqué, le let's play, même de commenter mes les vidéos, ça m'avait un peu manqué. Ouais, bon, je crois qu'on a fini le truc, c'est parfait. Enfin, de choc, voilà. Il reste une petite hirondelle, pareil. Voilà. Bon, esprit qui font pas beaucoup. Qui monte pas rapidement de niveau, quoi. Voilà. On est arrivé en bas de la montagne. On va pouvoir peut-être se faire la reine. On sait pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh, j'aimerais avoir un petit peu. Ok. On descendra ça un peu plus tard. Bien, nous voilà à Vermilava. Oui, c'est ça. On va reprendre. Oh, tu aimes les sourcils, n'est-ce pas? Quelques jeunes pour toi, ouais. Toi, t'es pas un œuf, voilà. Mon sujet que cette dame te donne un œuf. Voilà, on va le prendre. Voilà, on reçoit l'œuf. Et dans cet œuf, techniquement, je sais pas s'il va éclore avant qu'on capture notre prochain Pokémon. Mais c'est un. Tolbe, non pas du toqué, le petit. Ok, ok, je crois. Bon, donc c'est là. Hein. Ça vous dit, on va se prendre un petit. Des sources chaudes là. On prend toutes nos. Ah là là, on prend toute notre eau chaude aux sources, mais elle ne s'échauffe pas, c'est pas de la magie. Les sources aux chaudes se forment près du volcan actif, des filets d'eau chauffés par le magma, j'utilise de la terre sous forme de sources chaudes, oui. Enfin, le mec, c'est un homme, hein, et il est posé devant les bandes des femmes, quoi. Allez, on va aller rejoindre les Dana. Si on mettait des Pokémon dans les sources, pour, ouais, pour être un bain électricien, on va pas leur parler, ça fait quand même glauque un jeune avec des vieilles, ce sont des cougars. Bref. Arrêtons de dire n'importe quoi. Donc ici, je crois que c'est le truc utile qui nous donne des rappels max, en gros. C'est ça, les herbes rappels. On va en prendre quelques-unes. On va en prendre 7. Très bien, 7. On a énormément d'argent, donc ça va. Voilà. Et on va aller se faire la reine. Enfin, la commencer. Peut-être la finir, on sait pas. Donc toi, tu me donnes toujours un truc d'eau? Non. Oh non. Pas du tout. Bon, pour cette arène là on n'est pas du tout avantagé. Donc la championne est juste là, à droite là. Et on doit passer dans les trous d'eau. Et tomber sur... voilà, à des endroits. Là on est bien, donc là il y a un dresseur. Donc il y a des dresseurs dans certains trous d'eau et puis. C'est un labyrinthe de trous d'eau. Bref. Bah, je pense qu'on va finir en avance. On a 10 minutes quoi. Et je pense qu'on va se faire la championne. La champion. Oh, on va passer sur le combat double dans la pub. Bon, là, onde de choc direct. Hein. Voilà, parfait. Exprime mon niveau 29. Conseil de papa, mais je m'en fous de papa. C'est bon, je respire vers son père. Bref. Voilà, comme ça, Chamallow va pouvoir se remettre devant. Il va faire des petits ampleurs.
Ouais, parce qu'on est pas du tout avantagé. Non, en fait, je suis en train de réfléchir déjà quels sont les. Merde. On va redescendre, parce que je crois qu'il y a un dresseur là. Pas du tout. Mais on va faire le combat double. Voilà, je m'en souvenais, vous voyez, la mémoire. Ouais, voilà, Kekleon, ouais. Alors, bah, c'est parfait, on va faire un. Un ampleur, et puis là, une lame feuille, je dirais. C'est fait, parce qu'il prend pas trop cher, voilà, parfait, parfait. Cette technique. Voilà. La dresseur, bien évidemment. Donc, comme je dis, hein, on accélère les choses. Hein. Ampleur 6, adieu. Non, on est vraiment bien, pas mal au niveau. Hein. Ça va, on n'est pas trop bas. Alors là. Regardez les deux vols, c'était lui le dresseur, on se les fait tous hein. C'est quand même, ça fait quand même de l'XP un peu gratuit quoi, en pleurs. 9, allez hop. Ah, je suis malo, il monte très vite niveau, ça c'est cool ça. Ah, c'est pas niveau 30 qui monte, c'est niveau 33 je crois. Ah, donc dans 3 niveaux, Chamallow évolue en Kamehalepe. Voilà, donc là, ça va être un peu plus délicat les combats, on va avoir utilisé Masco. Ah, c'est pas vrai qu'il meurt pas trop souvent. Bien, alors je crois qu'il y a dresseur ici. Pas du tout. Sur le chemin là, il y aura là. Non. Ici, voilà. Et il y en a un en bas, je crois. Ah, ok, alors attendez. Il y a Skype qui me fait n'importe quoi. Ouais, ouais. Un peu là. Voilà. Voilà, vous avez fait ma petite souris, bonjour. Bref, j'avais un appel Skype, mais je peux pas, je suis en train de tourner les gens. C'est Beau Céleste ou Sonic. Ouais, Sonic 55. Pourquoi je dis Beau Céleste, je sais pas, c'est Beau 7, faudrait que je m'y habitue. Qu'est-ce qu'on fait? Poursuite. Poursuite. Parfait, poursuite. Allez, ça c'est fait. Ah, voyons, c'est rapide. Heureusement, on est pas tombé sur un Pokémon de type feu. On va passer par là. La dresseur, techniquement. Pas de dresseur. Là, il y en a. Pas du tout. Ok. Demi-tour. On va aller là. Là, c'est. Là, il y en a un pas. Hein. Ah. Et ok, mon dresseur. Et je crois qu'on est revenu au début, si je me trompe pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des poursuites. Poursuite, poursuite. Ah, purée de poids. Ça j'aime pas ça, en plus on va empoisonner. Mais non. Allez, toujours. Pas de la mèche. J'espère juste que ça passe ça. Ah non. J'aurais dû le soigner quoi. Cruel. Termine-le. On va aller au centre Pokémon, c'est juste à côté vu qu'on est revenu au début. Voilà. Voilà, on se dépêche. Allez hop, parlez, parlez, parlez. Soigner, soigner, soigner. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Oups. Voilà. Quel chemin? On va reprendre le chemin là-bas. Allez. On s'en arrive là après. C'est celui-là. Ou pas. Bon, je sais pas du tout. Je m'en souviens pas du tout du chemin, donc voilà. Peut-être là. Oui, c'était obligatoirement là. Donc là, t'es obligé d'être là. Mais là, ça va être. Ça va être. Ah. Alors, quel chemin on doit prendre? Ça là. En mettre où le chemin là? Pas au début, j'espère. Ah, ah merde. Ah, on est là. Ah, attendez. Il n'y avait pas une source. Oui, on a peut-être trouvé un truc là, les gens. Merde. Faut le refaire la même chose. Vite. Non. Par là. Par là, David Link. Il y a aussi une nouvelle. Bah non, pas du tout. Je fais n'importe quoi. Je sais pas si vous aurez aimé, mais oui, il y aurait la nouvelle miniature techniquement avec mon perso manga. Donc c'est moi qui l'ai fait, hein, si vous le savez pas. Et ça m'a pris énormément de temps à le faire, mais j'en suis content. Bon, c'est pas ici, faut croire. Peut-être une de ces deux sources. Et ben, voilà, attends, si si, peut-être. Bingo, on est tombé dessus. On a combien? On est à 15 minutes de vidéo. Et ben on va se la faire. On a quoi comme équipe? Ouais. Niveau 29, 9, 9, 30. Ouais. Ça peut se le faire. Allez, on est parti.
Attends, misérable ravisseur, je suis content de voir que tu as réussi à arriver ici par les pouvoirs qui me sont conférés. Non, attends. Je m'appelle Ariane, je suis champion de cette arène. Je suis pas champion depuis très longtemps, mais ne me soucie pas. Grâce aux techniques de mon grand-père, je vais te prouver que mes attaques sont puissantes. Bien, 4 Pokémon, quand je m'en souvenais, donc un chamallow. Voilà. Donc, comment vous dire que Masco, bah lui, il va crever dans les 7 secondes qu'il arrive que le match va commencer. La feuille. Oh, le coup critique qui fait du bien. Bien joué. Donc, Camerupt là. Donc, elle envoie tout de suite le deuxième gros, on va dire. Okay. Parce que maintenant, ils ont deux gros, j'ai l'impression. Enfin, certains champions dans cette version ont deux gros. Donc, lui, il en fait partie, il va surchauffer. Voilà, c'était obligé. Adieu, Masco. On va évoluer Illidan, parce que comme ça, il ne pourra pas nous faire d'ampleur. On va faire un cruel. Voilà. Ah, il fait un Zenith. Ah, il utilise une super potion. Cruel, 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 cruel. Allez, on est cruel là. Allez, tous, hein, qui vient de fumer. Oh là là. J'ai reçu un message qui me dit si Fano vient de mettre une. Ok, bon, génial. Merci du message, quoi. Donc, si vous voulez savoir, on tourne. Bah, 17h24, si Fano vient d'upload une vidéo. j'ai pas vu qu'est-ce que c'était la suite. C'est un Link Magma. Bon, tranquille. Après, il y aura son deuxième coureur, je veux dire. Toujours, on va faire un vive attaque. Bah non, j'étais sûr. Vive attaque, voilà. Non, je vais pas changer. On accélère. Bon, il se passe tranquille. Hein. Donc lui, il est Roche-Feu, Chartor. Je crois qu'il faisait partie de mon équipe de Saphir, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire aile d'acier. C'est pas très efficace, c'est dommage. Ça augmente notre défense au moins. On va faire alors cruel. Surchauffe. Voilà, là, il nous a fait mal. Il est même niveau que nous. Hein. Allez, il va. Delcati. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. Roulade. Allez, le roulade. Ok, déjà. Ok, il nous a encore pulvérisé. Et les sprint. Là, je vais compter sur sa rapidité pour faire des étincelles. Ah. Je coupe vive attaque. Bien joué les deck. Je vais essayer de devenir quelqu'un, je suis pas sûr. Ouais bon, je lui pose. Nick reçoit le badge challenge de la part d'Ariane. Parfait, voilà notre quatrième badge, on a la moitié du jeu on va dire. Les oublions jusqu'au niveau 50 sans discuter, même si que tu as échangé avec tes amis. Parfait. Ça va être aussi au Pokémon utiliser la capacité fort, ça sera parfait ça, on ira chercher quelque chose. Carrefeu je crois, mais je suis pas sûr. Dans une grotte, quand ça surchauffe, parfait, donc ça surchauffe, c'est pour notre ami. Okay. Oh je sais, tu combats contre Norman, le champion d'arène qui est ok. Donc il va être temps de combattre notre père. Oui, je voulais apprendre à notre ami. Chemaloi. Ah, on a tunnel. Bah, parfait. On va l'apprendre à Delcati, voilà, oui. À la place de... À la place de Charles, parce que Charles, là, c'est la merde un peu. Et on a un surchauffe qu'on va prendre à notre ami Chamallow. La place de Bélier. Voilà. Ça, c'est parfait. On a les teams. On va aller au centre. Ah, on a déjà Flora qui nous agresse. Link, ça faisait un bail. Oh, tu as eu le badge Vermilava pendant que j'étais au sourd. J'ai dû attraper pas mal de Pokémon. Enfin, je devais plutôt dire dresser. Pas mal de Pokémon. Hein. Je pense que ça serait bien pour toi d'avoir ça. Des lunettes, ça, parfait. Dans la poche rare, on est à 20 minutes. Ouais. Avec ces lunettes, ça, tu pourrais sans problème traverser le désert près de la route 111. Mais waouh, Link, te battre avec les arènes, tu t'entraînes dur car je parie que tu ne peux pas perdre. Tu ne veux pas perdre contre moi. Link, tu crois que ça serait défier toi? Non, ça veut dire okay. Va défier ton père quoi. Allez, donc on va le défier, ne vous inquiétez pas, on va soigner Poké. Voilà. Techniquement tout est bon, je regarde juste les capacités qu'on a, on a Kobuvat, donc Clitora Volt, je sais pas quoi, Flush, Catrock, Tetra Surfaka. Ouais, donc j'ai pas appris Delcati la force, on va lui apprendre la force. Allez, apprendre force à Delcati. Oui.
On va oublier perceuse parce que perceuse c'est toujours utile. Roulade à la place. Voilà. Parfait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller. Soit au désert, soit. Chez notre père pour aller le combattre. Et on va d'abord prendre la pépite. La pépitos. Et on va aller dans la grotte ici pour terminer l'épisode. Parce qu'ici, souvenez-vous, il y a une zone où on peut utiliser. Force. Donc là, l'Ingama enfuit. Là, ici. Ah, Pokémon vient nous agresser, c'est un chamallow. Ne vaut pas la peine. Bonjour, je vais déplacer ce gros rocher, oui. Utilise force, ouais. On se dépêche. Là, on fait ça. 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 Là. On sera agressé par un Machoke. Puis, on monte en haut, il y a une Pokéball. Ah, Smogo. Ah là là. Ouais, toxique. Comme par hasard avec Cotton Smogo. Alors attention, parce que là, je m'en souviens. Il y a une connerie à ne pas faire. Voilà. Après, tu fais casser. Smogo, dégage. Alors, si, si, la connerie n'est pas faite. Ok, bah. Comment j'ai fait pour être petit pour galérer sur ça, je comprends pas. Oula. Bon, je peux me débloquer comme ça. Voilà. Ah putain, laissez-moi les Pokémon. Allez. Allez, dégagez. On veut partir d'ici. Laissez-moi. Ah, on se fait aggro pour tous les Pokémon de la zone là. Ah mais laissez-moi tranquille. Ah, un Charter, ça c'est rare ça. Oui, on est sorti. Bref. Dans le prochain épisode, je pense qu'on ira. Ouais, 20, 22. On va s'arrêter ici, ça sera un petit épisode de reprise. Et je pense que la semaine prochaine, voilà, on va se mettre la musique. On ira visiter la la contrée de Sav, c'est ça, la route 111. Et on ira peut-être aller, on ira commencer peut-être l'arène, la cinquième arène, comme ça avance vite quoi. Et techniquement après la cinquième arène, on aura notre dernier Pokémon. Voilà, notre équipe. Bref, j'espère que cet épisode vous aura bien plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour la reprise, à répondre aux questions que je vous ai posées au début de l'épisode, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite de l'aventure et d'autres vidéos de ma part. Et puis voilà, allez, bonne journée à vous et puis salut Nara.